Bonjour messieurs dames, bienvenue dans ce qui va être une vidéo extrêmement symbolique parce que c'est à la fois la dernière vidéo de la saison 5, mais aussi et surtout c'est la vidéo dans laquelle je vais vous montrer les coulisses de ce qui a été le dernier concert de mon amie Camille avec l'affaire Capucine. Un événement, vous vous en doutez, particulièrement poignant. Alors, pour comprendre rapidement ce qui se passe, c'est pas compliqué. Avec l'affaire Capucine, Aurélie a décidé de procéder par tournée. En gros, hein, pour chaque album, elle réfléchit à la direction qu'elle va donner ensuite à sa musique, scéniquement parlant. Et depuis le premier jour, hein, elle a toujours voulu un violoncelle sur scène. Depuis 2012, il y a eu plusieurs violoncellistes hein, qui se sont succédés, jusqu'à notre rencontre épique avec notre Camille, hein, il y a maintenant, je sais même plus, peut-être 5-6 ans. Sauf que là, bah, tout simplement, la tournée Métamorphose prend fin et Aurélie, elle voudrait tourner une page de son univers artistique et explorer d'autres horizons. Et pour ça, bah, c'était important de changer de son et donc de se séparer du violoncelle. Et c'était dur hein, parce qu'avec Camille, on s'aime très fort, on a vécu des moments incroyables, des fous rires, mais mes amis, vous pouvez même pas imaginer comment on a ri. Mais voilà, c'est aussi ça la vie d'un projet, il faut savoir écouter ce que la musique et les envies artistiques réclament. Tout ça pour dire que le 7 juillet 2023 marquait d'une pierre blanche l'histoire de ce groupe parce qu'on jouait pour la dernière fois notre spectacle Métamorphose. Ça se passait à Verniolles, dans l'Ariège, pour un festival assez formidable hein, organisé par le Relais de Poche, un lieu qu'on adore. Coucou Dominique. C'est un festival comme je les aime, à taille humaine, avec des bénévoles adorables, des artistes qui parcourent les allées, aux côtés du public, hein, sans séparation. Une super programmation. Alors une super programmation, je dis pas ça pour nous, hein, c'est parce qu'on est arrivé la veille et on a eu le droit à un super concert de San Severino. Mais dès le lendemain, c'est notre tour et alors bah, c'est reparti, hein, vous connaissez la musique maintenant sur cette chaîne. On décharge le camion, on pousse les caisses, on installe les instruments pour ce concert qui s'avère épique et qui, on ne le sait pas encore, nous réserve son lot de surprises. Enfin, de surprise, on en connaît une, hein, puisque c'était évident qu'on ne pouvait pas laisser Camille sans lui dire au revoir à notre façon. Comme je disais avant, hein, tous les cinq, on en a traversé des galères. Croyez-moi, on en a essuyé des moments de doute. Mais il y a aussi eu des instants magiques, des souvenirs impérissables. Et tout ça, il fallait bien qu'on transmette ça une dernière fois à notre amie Camille. Et c'est pour ça qu'en secret, on a écrit une chanson pour lui dire au revoir. Une chanson, évidemment, qu'on allait lui chanter sur scène pendant le concert sans qu'elle soit prévenue. Et ça tombait bien d'ailleurs parce que pour des histoires d'emploi du temps de ministre, Camille, elle pouvait pas faire la route avec nous et arriver la veille. Et donc c'était cool, ça nous a permis de répéter la chanson autour d'une table le matin avant son arrivée. Je pense que c'est les deux trucs qu'il faut que tu te notes. Le concert a été véritablement mémorable. Parce qu'il y a eu un imprévu incroyable. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée hein, sous le format Derrière le rideau. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'on pouvait pas vraiment finir plus en beauté qu'avec ce concert. Mais assez parlé, je vous laisse avec ce moment hors du temps qu'on a réussi à capter tant bien que mal. Excusez le mauvais son, la mauvaise qualité de cadrage, mais là, seule l'émotion compte quand il s'agit de dire au revoir et merci à celle qui m'a tellement apporté musicalement et humainement. Merci à toi, ma Camille.